de lancer une machine à charbon. Voilà, ça fonctionnait à charbon, quoi. Le premier film de Chaplin, on était projeté comme ça avec ces vieilles machines. Alors ici, on est au cinéma Hamra et cinéma Zahra, en plein cœur de la Médina de Marrakech. C'est deux cinémas collés côte à côte, une en plein air et une de 900 places avec le toit ouvrant et qui est inexploitée. Mais il faut savoir que ici ont été diffusés les plus grands films américains jusqu'à Chaplin. Il y a eu tous les films avec les films de western, les grands films cultes qui ont été tournés ici, que le public marocain a pu voir, des films français, des films internationaux. Et ces salles de cinéma étaient pleines. Dans la salle de cinéma plein air, les gens venaient avec leur tangia, mangeaient en même temps d'assister à la projection. Ici c'était fou, les gens faisaient la queue, il y avait même le marché noir pour les tickets. Donc c'était des salles qui étaient constamment pleines. Donc il y a un travail vraiment de fond à faire, en plus de la réhabilitation, pour remettre ces salles de cinéma dans les normes, les recentrer pour que ce soit des espaces pluriculturels. Alors concrètement, on est sur deux projets de réhabilitation. Le cinéma Eden, premier cinéma construit à Marrakech en 1926, qui comptait deux salles de cinéma plein air et une salle de cinéma de 500 places avec balcon. Et on a un projet de cinéma dans la Médina de Casablanca, qui est le cinéma impérial. Donc il faut savoir qu'il ne reste plus que 37 cinémas dans tout le Maroc. Il y en avait 280 il y a 30 ans. Et la situation est, je peux vous le dire, catastrophique. Le cinéma, c'est pas un luxe, c'est un droit.